Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche! Mon invité du jour cultive la simplicité. Il est pourtant un acteur incontournable du cinéma français, passant avec aisance d'un genre à l'autre, de la comédie comme Pédale Douce à la chronique sociale comme Le Nom des gens. Passionné par les mots, il est aussi un homme de théâtre où il laisse libre cours à son imaginaire. Aujourd'hui, je reçois Jacques Gamblin que je vais tout de suite retrouver. Jacques Gamblin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler ensemble de ce que le jazz fait à ma jambe. Un spectacle que vous reprenez au théâtre de l'Atelier cette semaine à Paris. Et on l'a compris avec le titre, au cœur du spectacle, la musique. Je crois que vous n'êtes pas musicien pour autant, mais pourquoi vous avez eu cette envie j'ai eu cette envie parce que, parce que déjà le directeur de, 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 de ce festival Jazz Sous les Pommiers, ce gros festival de, de jazz à, à Coutances dans la Manche, m'a proposé de faire l'ouverture il y a quelques années du 30e anniversaire de ce festival. Et, et puis euh, on a réuni euh, autour de, de ce désir des musiciens dont Laurent de Wild. Et, 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 et à travers ça, j'ai eu envie de dire qu'est-ce que la musique me fait même si je ne la pratique pas personnellement. Alors elle vous fait quoi eh ben, elle, me fait, <laughs> elle me fait gigoter ma jambe. jambe Votre... <laughs> Vis visiblement. Alors, en tout cas, de la contrebasse au saxophone, en passant par la batterie, vous êtes entouré de six musiciens sur scène. Et un DJ. Et un DJ, ouais, parce que ça, ça, ça ouais, se ça, modernise. Aussi, ça ça on ouvre. Euh, on va se faire une idée en regardant quelques images du spectacle. On va faire de la guitare, l'instrument roi pour séduire les gonzesses. <laughs> Norman C'est baryton trombone à coulisse, la trompette à piston, les congas en peau de phoque, contrebasse, contrebasse, charleston, tom basse, tom médium, ben, Et dis-moi, qu'est-ce que tu aimes chez un homme? Voilà une énergie, un plaisir communicatif. On voit que vous, vous prenez beaucoup de plaisir sur scène. Il y a évidemment beaucoup d'improvisation dans le jazz, la, la musique. Est-ce que c'est aussi le cas là dans le spectacle Alors c'est très écrit. Il y a toujours de l'improvisation parce qu'il y a des solos de chaque instrument. C'est comme un concert à l'intérieur duquel il y, aurait, il y aurait aussi du théâtre. Et donc il y a aussi un, des solos de théâtre. Il y a aussi un moment improvisé en effet. Pour euh, vous Théâtral, théâtral ouais. pour moi. Vous aimez bien ça, partir un peu en, en roue libre ou pas C'est <laughs> risqué, c'est ouais. un peu stressant, mais je l'assure, chaque soir, ouais. <laughs> ce moment où, où je parle du son et où j'interroge euh, où, où le son s'en va-t-il quand je ne l'entends plus. Alors, en tout cas, vous le jouez au théâtre de, de l'atelier, tout au nord de Paris, ça grimpe un peu. Est-ce que vous allez toujours en vélo au théâtre sûr, Parce qu'on a trouvé, en préparant l'émission, on a trouvé plein de vidéos de vous à bicyclette. Le sport, je vous pose cette question, parce que le sport... Euh, à une place importante dans votre vie. Oui, l'activité physique c'est important. Oui. Et puis le, le vélo à Paris, ça doit de toute façon devenir indispensable. Ouais. Donc je suis précurseur depuis une bonne trentaine ouais, d'années. Il faut de... qu'on <laughs> suive, suive votre, votre exemple. Je sais que. Enfin, précurseur, c'est pas c'est pas le terme. Avant <laughs> moi, il y en a beaucoup d'autres. À une époque où les voitures n'existaient pas. Ouais, et on sait que je sais que le, le climat et le changement climatique est aussi une cause qui vous qui vous tient qui vous tient oui. à cœur. Euh, le vélo, mais aussi la course à pied. Euh, vous avez pratiqué, je crois, l'athlétisme quand vous étiez plus jeune euh, à un niveau euh, régional. Le sport, on le disait, a une place importante dans votre vie. Vous avez même fait une pièce parce qu'on parle de votre passion du théâtre. On voit quelques images là de 1h, 23 minutes, 14 secondes, 7 centièmes, une collaboration avec Bastien Lefebvre où vous exploriez la relation entre un coach et un sportif, une relation évidemment singulière. Euh, votre approche même du métier d'acteur. Passe presque par le sport, en tout cas par le corps. Pour vous, c'est. Oui, papa. Oui. Pas, pardon, je vous je non, pas, pas par le sport, mais c'est vrai que l'approche euh, première, elle est, elle, est, elle est plus physique qu'avec les mots. J'ai commencé le théâtre avec une, une compagnie qui était installée en Bretagne et, et, et qui travaillait plus sur le domaine de la poésie et tout ça. J'étais pas très à l'aise. J'étais pas un grand lecteur. n'étais pas un grand diseur. Mais, mais à D'abord en approchant le théâtre avec, avec le corps, en effet, peu à peu, la voix est arrivée et puis j'avais très peur de ça au départ et puis maintenant ça s'est presque inversé. Oui, parce qu'on le voit dans enfin le... Maintenant je mélange tout. Dans ce que le jazz fait à ma jambe, on sent que corporellement, vous vous, oui, vous un... avez occupé l'espace. Et... C'est un spectacle complet, oui, oui, ça, ça bouge, ça danse. Parce que c'est au-delà du jazz, euh, on est... On est aussi très au-delà du jazz que je veux dire par ce titre, c'est ce que la musique nous fait. Et ce que les gens ressentent clairement, c'est dans ce spectacle, et ce qui les touche, c'est que chacun a sa façon de ressentir bien sûr la musique, et que ce soit n'importe quel genre de musique. Et, et là, ça raconte ça, comment on est traversé par la musique. Alors, on parle de théâtre, mais bien sûr, vous êtes aussi un homme de, un homme de cinéma. Euh, vous faites votre première apparition dans Train d'enfer de, de Roger Hanin. Ouais, Claude... Pardon, là, je vous coupe aussi, mais une, une apparition qui est, qui est restée, qui est, qui, est, qui est une désapparition, parce que pour le coup, je suis même pas dans le film. J ah, c'est J'ai été coupé au montage. Ah, alors... Je ne pas <rire> <rire> Très bien. En tout cas, après, c'est Claude Lelouch qui vous met réellement le, le pied à l'étrier avec des films comme Tout ça pour ça, comédie chorale, où vous jouiez euh, notamment aux côtés de Gérard Darmon, dans son endroit Claude Lelouch, j'ai envie de vous en parler. Il a une place particulière dans votre carrière d'acteur. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui prend des risques en permanence et j'aime ça. Ouais. C'est quelqu'un qui ouvre son monde, qui ouvre aussi euh, à des castings parfois improbables. Quand il vient me chercher, on, je suis, je, voilà, je ne suis pas encore dans une notoriété euh, euh, très très importante et, et il donne des cartes à des gens et on ne remercie jamais assez les gens qui vous donnent des cartes. Vous partagez en tout cas ce goût pour la pour la liberté. Et oui. puis alors c'est une autre comédie qui vous vous Révèle vraiment au grand public Pédale Douche. On est en 1995. On est content de revoir ces images. Un film déjanté qui bouscule un peu les clichés sur l'homosexualité à l'époque. Et ce film, il a changé vraiment quelque chose pour vous Bien sûr, ça m'a ça, 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 ça mis. Ça m'a donné le, le statut. Euh de, de rôles important et de la possibilité de... de bien sûr, évidemment, quand une, une comédie, enfin une comédie ou un, un film fait un gros succès, ça, ça, ça fait bouger les choses. Les gens vous reconnaissent, les décideurs, les financiers vous reconnaissent aussi. Même si la notoriété, soyons clairs, n'a jamais été un facteur pour vous de choix. C'est pas pour ça que vous faites ce métier. Ah non, non, non. Je, je, je pensais même pas en commencer c'était tel, tellement improbable de se retrouver dans le milieu, euh, dans le monde culturel pour moi que euh, chaque jour euh, que le soleil se lève, je, je suis toujours étonné de ça parce oui. que c'est c'est vraiment le hasard des rencontres. Je, je me destinais, j'avais pas ce rêve tout petit déjà, genre on est en haut de l'affiche, non pas pas du tout. C est, c est... Et après bien sûr en faisant la passion est arrivée et maintenant moi, elle est là bien bien ancrée. Et mais... vous avez la chance de l'exercer chaque jour. Alors dans le film Pédale douce, à votre côté, il y a la Richard Berry, vous avez joué avec lui récemment dans, vous partagez l'affiche de père-fils thérapie et il a justement tenu à nous dire un petit mot à votre propos. On l'écoute au micro de Sylvain Rousseau. Moi, ce qui m'attache beaucoup et ce qui me touche beaucoup chez Jacques, c'est qu'il a toujours l'impression d'en faire trop. Alors à chaque fois, euh, évidemment, quand il faisait pédale douce, euh, c'était une évidence que ce fameux striptease où il se mettait à poil, c'était très difficile à faire. Et là, pendant tout le film, c'était un peu la même chose. Dans Père, Thérapie, à chaque fois qu'il jouait une séquence, il venait vers moi et me disait « mais tu, tu crois pas que j'en ai fait un petit peu trop ?» Mais je trouve que c'est une bonne question à se poser, parce que c'est le meilleur moyen justement de ne jamais en faire trop. Il faut donner au spectateur toujours l'impression qu'on en a encore sous le pied, et c'est ce qui se passe avec Jacques. D'accord, ne pas en faire trop, c'est une préoccupation, oui, oui, ouais, c'est vrai. Il a raison <rire> <rire> parce que je pense que jouer, euh, c'est donner envie. C'est je pense que on n'est pas en... jouer, c'est pas s'auto-satisfaire et, et s'éclater, etc., et, et avoir son, du, son propre plaisir, bien sûr, ça, ça peut en faire partie, mais ah, c'est surtout euh, comment on communique. C'est pas de l'auto-émotion, de l'auto-rigolade, c'est comment le transmettre, ça. Comment le public, lui, va, va rigoler ou va être touché, etc. Donc on peut pas tout garder pour soi, tout avoir, tout donner de soi. Il faut suggérer, c'est juste, juste soulever quelque chose pour pour offrir au public. Et quel que soit le genre parce que vous passez de façon vraiment très aisément de voilà, pédale douce à Oli Lola que vous avez fait avec Tavernier ou même le nom des gens, on est un peu entre les deux. Pour vous, l'humour, le drame c'est C'est cliché, je me dis, c'est j'aime. Et bien là là pour préciser sur sur fils thérapie en plus j'ai une vraie composition, c'est peut-être un des rôles les plus les plus éloignés de, de moi qu'on m'ait proposé et j'adore ça, j'adore. un qu père peut... qui est en rupture avec pour... son fils il oui, doit et doit se, qui se qu est retrouver. quand même quand même très euh, psycho truc. Ouais. Euh, enfin, Enfin, bon d'être dépressif tout ça enfin, j'ai adoré composer ce personnage ça me faisait vraiment marrer de faire ça et euh, je sais plus ce que je voulais dire euh... sur le drame oui, le, la oui. comédie c'est 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 vrai que ce sont majoritairement ce type de films qui parcourent euh, euh, mon chemin c'est c'est des films qui sont comme ça où on peut j'ai tra... eu cette chance de travailler avec Imamura qui et... Et... Et faisait pourtant des films parfois enfin, très dramatiques, ce grand réalisateur japonais et il disait un film qui n'a pas d'humour n'est pas un film. Et je pense que dans le plus grand des films dramatiques, il doit toujours y avoir une, une respiration de l'humour. Toujours elle doit être présente. Donc j'aime ça. Oui, et ce ça. mélange vous caractérise ouais. aussi. Bien. On va finir très très rapidement en ouais. deux mots avec un coup de cœur culturel. Vous avez choisi une exposition celle de Hervé Di Rosa Pourquoi ce choix Ouais, que j'ai connu il y a, au moment de, de figuration libre dans les débuts, et puis que en tournée j'ai eu l'occasion d'aller visiter son musée à 7 sur euh, ce qu'il appelle l'art modeste. Et, et que je trouve que c'est Hervé Di Rosa nous, nous fait du bien, c'est ludique. On sait pas quand on regarde ses euh, créations, on a l'impression d'être un enfant, et en même temps, on, on est aussi euh, euh, enfin, c'est quelque chose qui ravive des couleurs qui ravive une forme d'étonnement et on a besoin en ces, en ces temps pollués ouais. d'avoir de la couleur et un peu d'innocence Vous nous donnez envie d'aller voir, découvrir Merci beaucoup Jacques Gamblin d'être venu sur le plateau de à l'affiche Je rappelle que ce que le jazz fait à ma jambe est à voir dès cette semaine au Théâtre de l'Atelier à Paris jusqu'en février et puis en tournée en France jusqu'en mars Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis, n'oubliez pas de nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux ainsi que sur France24.com On se quitte donc avec des images de l'exposition Jamais Seul du peintre Hervé Dirosa, que nous conseille Jacques Gamblin, à voir jusqu'au 22 janvier à la Maison Rouge, ici à Paris. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.